soin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché, et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qu'il aime et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Xudoning kalomini tinglab itoat qiluvchi baxtliroqdir. Ustoz Yahyo o'rgatganday ibodat qilishga o'rgat. Ibodatda bunday deng. Samodagi barhayot otamiz. Sening noming muqaddaslansin. Sening shohliging kelsin. Samoda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bo'lsin. Bizning rizq-ro'zimizni ham bizga berib tur. Biz qarzdorlarimizni kechirganimiz kabi bizning ham gunohimizni kechir. Va bizni vasvasaga yo'liqtirma. Biroq makkordan xalos qil. Xudo muqaddas yozuvda Masih kelib olamning qutqaruvchisi bo'lish haqida gapirgan. Isoning hayoti haqiqatda ham payg'ambarlar bashorat qilgan shaxs o'sha ekanligi haqida bizlarga guvohlik beradi. Ishayyo qiz homilali bo'lg'ay va o'g'il tuqqay deb bashorat qilgan. Bir necha asrlar o'tgach Isoning tug'ilishi mana shu bashoratning amalga oshishi bo'ldi. Muqaddas yozuv ilohiy yo'l bilan tug'ilgan Xudoning farzandi deb atalishi haqida ma'lum qilgan. Ya'ni Iso Xudoning o'g'li deb jismoniy ma'noda emas, balki ruhiy ma'noda ekanligini bildiradi. Biz buni u o'zining yashab o'tgan hayoti namunasida ko'rishimiz mumkin. U insonlarga shifo bergan, gunohlarini kechirgan va odamlarni Xudoga qaratib, ularga Xudoning abadiy shohligini va'da qilgan. U o'zini ularning gunohi uchun qurbon qilgan va o'lim ustidan g'alaba qozonib, qayta tirilgan. Iso shunday degan: "Hech kim jonimni mendan ola olmaydi. Men o'z ixtiyorim bilan uni beraman." Isoning hayoti nafaqat payg'ambarlarning bashoratlarini amalga oshirdi, shu bilan birga Xudoning muqaddas kalomi haqiqat ekanligini tasdiqladi. Payg'ambarlar shunday aytganlar: "Ey Xudovand, sening kaloming abadiydir. U fazoda abadiy o'rnatilgandir. Isoning o'zi yer u osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas" deb aytgan. Iso bizga to'la-to'kis hayot berish uchun kelgan.
Biroq inson Adan bog'ida Xudoga bo'ysinmaganligi tufayli u o'z yo'lini tanladi va uning bu harakati uni yaratguvchidan judo qildi. Muqaddas yozuv hamma gunoh qilgan va gunohning evazi o'lim deb aytibdi. Bu ruhiy o'lim, ya'ni Xudodan ajralishni bildiradi. Xudo Ibrohimning o'g'li o'rniga qo'yni qanday qurbonlik qilish uchun yuborgan bo'lsa, xuddi shunday Iso Masihni bizning o'rnimizga qurbon bo'lish uchun yubordi. Uning hayoti, o'limi va tirilishi Xudo bilan unga iymon keltirganlar orasidagi munosabatlarni qayta tikladi. Endi Isoga ergashganlarning nafaqat gunohlari kechirildi, balki ular Xudoning abadiy hukmidan ham qutqarilganlar. Xudo bilan birga jannatda abadiy yashashlariga ularning ishonchlari komil. Bugun Iso har bir insonga shunday hayotni, ya'ni gunoh va hukmdan ozod hayotni taqdim etadi. Bu din ortidan ergashish degani emas, balki mana men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz deb aytgan Isoga iymon keltirishni tanlash demakdir. Bu Xudoga hayot eshigini ochib, Isoga qalbimizga kirishga ruxsat berishni, undan gunohlarimizni kechirishni va u bizni istagandek o'zgartirishni so'rash demakdir. Bu faqat aytilgan fikrlar bilan rozi bo'lish yoki his-tuyg'ularga berilish emas. Biz uni inoyat orqali iymon va irodamiz harakati bilan qabul qilamiz. Iso Masihning ergashuvchilari bo'lishga tayyor bo'lgan insonlar unga oddiy ibodat orqali murojaat etishlari mumkin. Balki siz o'z yuragingizni Xudoga ochib berishga hozirning o'zida tayyordirsiz. Agar shunday bo'lsa, quyidagi ibodat orqali unga chin qalbdan murojaat etishingiz mumkin. Rabbim Iso, men senga muhtojman. Mening gunohlarim kechirilishi uchun xochda jon berganing uchun minnatdorman. Men gunohlarimni tan olib, tavba qilaman. Men senga hayotimning eshigini ochayapman. Seni o'z xaloskorim va Rabbim deb qabul qilaman. Gunohlarimni kechirganing va menga abadiy hayot sovg'a qilganing uchun minnatdorman. Meni qanday inson bo'lishimni istasang, shunday qilib o'zgartirgin. Chunki men sening ergashuvchilaringdan biri bo'ldim. Amin. Iso o'z ergashuvchilari haqida shunday degan: "Mening qo'ylarim tovushimga quloq soladi. Men ularni taniyman. Ular esa menga ergashib yurishadi." Iso bizlarga va'da bergan farovon hayotni boshdan kechirish uchun uning ergashuvchilari har kuni u bilan ibodat orqali muloqot qiladilar va uning kalomini o'qiydilar yoki tinglaydilar. Ular boshqalarga Iso Masih haqida gapirib beradilar va doimiy ravishda uning orqasidan ergashib, uni sevadiganlar bilan uchrashib turadilar. Uning ajoyib va'dasini esda saqlanglar. Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman.